Hey les fanos, c'est Mathéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi comme d'hab, je pète la forme, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les fanos, c'est un nouvel épisode sur Pokémon Perle Scintillante. Et dans notre aventure, eh bien, nous sommes arrivés à Voilaroque, puisque nous avions combattu Mathéo, il nous avait donné rendez-vous là-bas, et nous sommes arrivés. Et donc, nous avions commencé l'arène du type combat. Sauf que, eh bien, j'ai perdu l'arène de type combat. Et, hein? Ah non, mais dis pas qu'il faut tout recommencer. Mais non, il faut tout que je recommence. Ah non, putain, ça va. Ah, j'ai eu peur. Je pensais qu'il fallait tout qu'on recommence. Ah, ça va, il faut juste qu'on recommence à pousser tout. Ah, ça va, ça c'est rien, ça prend deux secondes. Ça va, putain. Eh, parce que j'avais combattu tous les karatékas, ça, je m'en disais, ça, c'est arrivé. Sauf que, eh bien, quand je suis arrivé à la championne, elle m'a littéralement défoncé. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu continuer. Et c'est pas du tout par là qu'il faut passer. Putain, il faut passer par là pour pousser ça. C'est compliqué à faire là. Putain, c'est chiant là. Tout simplement, il y a pas de mots. C'est juste chiant. Voilà, faut faire ça. Là. Tac, tu pousses ça. Là, voilà. Là, tu vas pousser ça en haut. Voilà. Ça, tu pousses ça. Un premier chemin de fait. Parce que là, du coup, faut arriver en fait à pousser tout ça en combattant tous les karatékas. Et du coup, à la fin, ça fait le chemin pour aller jusqu'à la championne. Par contre, du coup, j'ai plus du tout de potions, de trucs avec moi. Enfin, j'ai plus du tout de, enfin, j'ai plus tout de tout ça. Que du coup, bah, j'ai tout utilisé dans le combat précédent, dans le dernier épisode. Donc, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Ah si, non, c'était ça qu'il fallait faire. La paf. Mais comment je fais, là? Regarde, là, je suis bloqué, là. Je peux pas pousser plus, là. Est-ce que j'arrive? Ah non, si, voilà, je peux pousser. Donc, l'attaque. Je fais ça. Comme ça, après tac tac, faut pousser ça. Donc là, tu redescends. Ah oui, c'est tout un programme. Là, voilà, là, tac, tu pousses ça. Hop là, tu peux pas redescendre. Donc faut que tu te retapes tout le chemin là. Et ensuite, tu prends le chemin ici. Voilà, tac, allez grimpe, enfin, grimpe, monte plutôt, et Mélina qui est ici. Oui, on a compris, j'ai perdu le dernier combat, c'est pas la peine. Ah non, d'accord, ça rappelle même pas qu'on avait fait un combat ensemble, putain. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas mis Kadabra dès le départ. Kadabra, je vais essayer de le garder pour le Lucario. Là, je vais peut-être juste essayer de combattre avec déjà mon Luxray. Mon Lucio. Et ensuite, après, je vois ce que je fais. Je peux utiliser le Ponyta. Et après le Ponyta, je réfléchis. Donc, on va utiliser Étincelle contre le Medetica. Déjà, le mur lumière, ça ne fait pas grand chose. L'énergie de Luxio et de René, exactement. Mais paf, je l'ai battu. Allez, déjà, Medetica, c'est fait. Allez, match au peur. Ça va être un peu plus compliqué. Allez, étincelle. Hop, Luxio utilise étincelle. Paf. Hop, il est paralysé. Utiliser piestole contre moi, ça m'a tué. Ah, il a endure le choc. Parfait. Endure le choc. Endure le choc parce qu'après, c'est à toi d'attaquer. Voilà. Paf. Allez, comme ça, après, c'est Machoc
Je pense qu'on va envoyer Machoke parce que Ponyta il le fera. Oh! Putain, il a encore enduré le choc! Mais c'est incroyable! Ça fait deux fois qu'il endure le choc! Ah ouais, ça forcément. Allez, on va essayer encore de le tuer. Peut-être que là il va être paralysé. Non, c'est bon. Allez, coup critique. Du coup, Machoper il dégage. Allez, Kadabra qui monte au niveau 31. Et elle envoie le Lucario. Parce que c'est ça qui m'a tué du coup. Mon Machoke. Il me restait plus que Machoke pour combattre. Ok. Ah bah alors là par contre peu de chance que tu résistes, hein, c'est pas grave. Non, allez du coup on va essayer de garder ou... Ah ouais non en fait c'est pas... Ah attends, mais dis-moi tout. Ils sont efficaces dis-moi ces deux là contre le Lucario. Bah attends on va utiliser déjà Ponyta. Comme ça le combat un peu. Oui parce que j'ai nommé que c'était une fille, Ponyta. Même si c'est un garçon, c'est pas grave. Tu dis une Ponyta. Tu dis pas un Ponyta. Si. Tu dis un Ponyta. Tu dis un Lucario. Tu dis pas une Chenipan. C'est vrai que tous les noms des Pokémon, c'est masculin. Oh, un Pikachu. Oh, un Nounourson. Oh, un Lucario. Oh, un... Enfin, voilà. Vous avez compris. Bon, par contre, mon Ponyta, ça fait défoncer. C'est pas grave, allez. J'ai voulu essayer un truc, c'est pas grave. Allez, on va utiliser Primplouf. Non, on va utiliser lui. Machoke, on le garde pour après. Si c'est vraiment super efficace, faut qu'on le garde pour après. Et là, on va utiliser Choc. Hein? Pourquoi il a pas obéi, là? C'est quoi, ça? C'est quoi ce Pokémon là qui obéit pas? Non mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il a pas obéi. Il a pas obéi à mes ordres. Qu'est-ce qu'il arrive? Putain, le Picor ça fait rien. Ah mais le problème c'est qu'il utilise 20 petits points et dès que tu le touches il va se régénérer. Ouais, j'ai pas de bon Pokémon en fait avec moi. Bon, ben on va envoyer Machoke, même si je sais que il va pas faire long feu non plus. Hein, même si c'est efficace. Il va pas faire long feu. Voilà, 20 petits points déjà. Hop, ben voilà. Bon, ça fait deux fois que je perds contre cette champion d'arène. Donc je vois pas trop ce que je peux faire de plus hein. On va déjà augmenter un peu les niveaux de certains. Je dois avoir plein de super bonbons avec moi. Donc on va regarder ça. On va augmenter un petit peu. Tain, c'est la première fois que je rencontre une grosse difficulté là dans le jeu. Donc c'est pas mal. Ah, par contre, augmente beaucoup l'attaque pendant le combat. Je peux prendre. Ouais, lui. Bon, ok. Défense. On va donner à Machoke. Vitesse, on va le donner à Ponyta. Précision, on va le donner peut-être à Primplouf. Et là, ah d'accord, c'est des trucs que je mets au Pokémon. Ok. Bah écoute, on va augmenter, ouais, ça. Un petit peu consommé qui augmente la puissance de Pokémon type poison, non? Voir ça. Alors, je me disais sur le Ponyta parce qu'il est que à niveau 22, mais bon. Si Machoke il a de bonnes attaques, c'est bien du coup de l'augmenter à lui. Voilà. C'était sûr qu'il allait évoluer. Voilà, du coup j'ai un bon Machoper là avec moi.
Là, j'ai un bon match upper avec moi. Du coup, là, ça va le faire. Contre Lucario, ça va le faire. Félicitations, Macho qui évolue en match upper. Les données de match upper ont été mis au Pokédex. Et il n'a pas appris, par contre, de nouvelles attaques. Ça, c'est un peu con. Et du coup, Miel. Donc, ça, c'est Miel. Alors, attends. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Ouais, ouais. On va faire ça comme ça. Ok. Non. Ça sert à rien. Ok, ok. Alors, attends. Les CT aussi. Électrique. Bonsoir, on voit. Puissant. Ah non, ça fait mal en fait. Ça, c'est une attaque. Donc, ça fait plus mal que éclair et. Ah oui, non, c'est sûr que c'est mieux déjà. Oui, allez, oui. Voilà. Ensuite, sa force. Ben voilà. On va les mettre sur les 3, je pense, ou même sur les 4. Ouais, déjà, charge. Ça, tu peux le remplacer. Voilà. Ensuite, sur le Machoc, je suis en train d'afficher ce qu'il y a comme attaque. Est-ce que c'est bien de mettre ça à lui? Je sais pas. Ben, c'est sûr que c'est meilleur. C'est sûr que c'est mieux que Vendetta, tu vois. Et Ténèbres, on le garde comme ça si le Luxo est mort. Voilà. Et pourquoi pas le mettre sur lui, sur Ponyta, comme ça il a une autre attaque que Nitro Charge et que Flamèche. Voilà, à la place de Mimikeu. Toi, tu lui mets force, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça en haut? Plante, non. Non. Vol. Non. 40. Ouais, bon, j'ai tout ça. J'ai pas vraiment beaucoup de choses. Et du coup, on va aller dans un magasin et on va acheter un peu des potions, des trucs. Des rappels. Parce que je pensais ne pas beaucoup en utiliser. Finalement. Tu vois. Finalement, faut que j'en achète. Donc, on va aller en acheter. Attends, je sais pas où c'est. Non, c'est pas par là. Je pense pas. Y'a pas de magasin ici? Ah, je me dirige vers l'arène. Ah non, c'est possible qu'il n'y ait pas de magasin là. Ça va être la Team Galaxy, donc ça on le fera après. Mais enfin, on le fera dans le prochain épisode. Mais j'étais persuadé qu'il y avait un magasin ici. Peut-être c'est un magasin ça en fait. Oui, non, c'est un magasin. C'est moi. Bienvenue, acheter. Alors, du coup, bah, avec tout ce que j'ai, franchement, je peux me faire une. Non, ah, un rappel. Je peux m'en prendre plein là. Pas 43, mais peut-être. Ah, déjà 10, c'est pas mal. Voilà, 10 rappels. Hop, là c'est pareil. On va pas prendre en 20, on va en prendre 5. Voilà, hyper potion. Ça par contre, ouais, voilà, ça je peux en prendre plein des hyper potions. On va mettre 14, allez, pourquoi pas, 14. Et super potion, pareil, je peux en prendre plein. Ça, on va en mettre 15. Voilà. Là, au moins, je pars. Enfin, après, tu me diras. Bon, bon. Prends une super potion en plus. Comme ça fait 15 aussi. Après, je voulais voir ce qu'il y avait d'autre. Du coup. Attends, vendre. Je peux vendre.
Je peux vendre ma poussière d'étoiles là, en trésor. Ouais, pour 1000$ de plus, pas grave. Non, allez, merci. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Bon, d'accord. Allez, ouais, c'est un centre commercial. Donc, je pense que tu peux faire des achats intéressants. Ouais, tu vois. PV+. Ça, c'est pas mal. PV+. On va aller voir ce qu'il y a en haut. Putain, là il y a des CT. Pistole, c'est pas mal. Ça peut être pas mal ça. Ouais. Ça, tu prends ça et balayette, on a déjà. Mais pistole, ouais, c'est pas mal. Et là, on a quoi? Ah, là, on a d'autres trucs. Ah, bah ouais, là, c'est sûr que c'est des trucs meilleurs. Putain, ultra laser. Ah, bah ouais, là, c'est sûr que c'est de meilleurs trucs. Fatal foudre, c'est. Ah, c'est sûr que c'est de bonnes attaques. Peut-être éclat magique. Éclat magique, on n'a pas de trucs faits. Donc, on va prendre ça. Et on va compléter ça avec. Un autre truc à 3000 points. J'essaye de trouver ce qui peut être pas mal à prendre. Lance-flamme. Ouais, pour Ponyta. Allez, pourquoi pas. Allez, là, je suis pas mal. Bon, maintenant, du coup, j'ai plus assez d'argent. Donc, c'est pas grave. Mais là, du coup, j'ai trouvé plein de nouveaux trucs. Donc, on va. C'était pas là. Voilà. Déjà, pistole. Voilà, on va le mettre au match hopper. Ouais, et on va changer. Ah putain, c'est 65. Ouais, mais bon, on n'a pas de truc sol. Donc, hein, voilà. Allez, là, on va faire un petit mélange ici. C'est pas grave. Hop, ensuite, éclat magique. Voilà, on va le mettre. Non, pas sur lui, on va le mettre sur lui. Voilà, paf, on va le mettre à la place de soin. Ouais, c'est pas grave, soin, c'est pas un problème. Et donc, lance-flamme pour Ponyta. Ouais, à la place de Flamèche. Voilà, allez là, là je suis bien. Là, je pense que je suis bien. Bon, du coup, il faut que je récupère de l'argent pour aller trouver les CT après. Ouais, pour aller prendre de nouvelles CT. Là, au moins, tu vois, j'aurais plus à prendre de potions. Ni de rappel. Là, je suis pas mal. Ce qu'il faudra juste, c'est que dès que j'ai assez d'argent, bah, que je retourne là et que j'aille acheter des CT. Tout simplement. Donc, on ira acheter des CT plus tard. Allez, c'est parti. Donc, la troisième fois que je recommence l'arène, c'est pas grave. Allez, par contre, c'est vrai qu'il y avait tout ça à faire. Ça c'est chiant, il faut refaire tout là. À chaque fois là. Et celui-là, il est rapide encore. Ah, celui-là, il est rapide à faire. Et c'est l'autre, là, de l'autre côté, il est chiant à faire. C'est de l'autre côté. Bon, ça, c'est ma faute. Ça, c'est moi qui me confonds les côtés. Ça, c'est ma faute. Bah non. Non, il était bien mis, là. Qu'est-ce
que j'ai fait là? Mais non, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est très bien mis là, celui-là. Ah, faut juste pousser lui là. Voilà. Et allez! Voilà. Ah oui, non, mais c'est moi qui suis bête. Hop, tac. Et tac là. Ah, faut juste aller refaire le tour du coup de ce côté. Pour faire ça, et voilà. Allez, c'est bon. Et c'est long, ouais. Allez. C'est parti. Toujours pas. Toujours pas à partir. C'est presque parti. Presque, presque, presque. Oui, c'est parfait. Allez. On est go, on est go, on est go, on est go. Allez vite. Alors, donc, on va commencer déjà avec lui. Alors, déjà, on peut lui faire onde de choc. Ah putain, lui aussi, là, il a 20 petits points, là. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. On salue absolument rien fait. Bon, on va continuer avec onde de choc. Allez. Là, il va se soigner en 2-2, mais pourquoi il ne faisait pas ça tout à l'heure? Il faisait pas ses attaques tout à l'heure. Hein. Je sais pas pourquoi d'un coup il fait ses attaques. Et pourquoi d'un coup il utilise une hyper potion. Ça me fausse tout mon truc. Donc bon, je suis aux anges. Bon, on va essayer de pas le perdre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de Pokémon. On va changer de Pokémon. Et après, j'essaierai de le soigner. Voilà. Oh putain, merde. J'ai touché un peu ma caméra là. Attendez, je vais la remettre. Hop, voilà, je picore. Voilà, allez, dégage. Ah, il est KO, il est très bien. Voilà, Ponyta qui monte au niveau 23. Et donc la championne, elle envoie un match au cœur. Alors qu'est-ce qui est efficace? Ah, du coup il me dit rien sur ce qui est efficace ou pas efficace. Bon, allez, on va garder un peu. Allez, c'était super efficace. Voilà. Et ouais, ça m'a tué. Bon, faut réfléchir. Là, c'est super efficace. Donc on va utiliser Kadabra avec éclat magique. Tu vois pourquoi il a pas attaqué là? Pourquoi que Kadabra là il a pas attaqué? Pourquoi? Tu vois? C'est ça qui m'a tué en fait, c'est qu'il attaque pas. Pourquoi là d'un coup il a décidé de pas attaquer? Là je suis mal hein. Waouh. Ah ouais non là je suis mal par contre. Bon. On va utiliser lance-flamme. C'est pas mal.
Déjà, c'est pas mal. Comme si j'aimerais bien soigner mon Luxio. Et réanimer peut-être mon Primeplouf. Je sais pas. Je vous avoue que je sais pas trop quoi faire. Déjà, lui, je vais essayer de le tuer. Avec coup perdu. Et ensuite, dès qu'il y aura le Lucario, j'essayerai de réanimer un peu tout le monde. Ouais, non, là, je sais que ce que je viens de faire, là, c'est pas bon. Parce que du coup, ma Chopper, c'est le Pokémon qui est super efficace contre lui. Alors du coup, je peux peut-être... Ouais. On va changer. Voilà. Luxio. Et du coup, on va essayer de réanimer un autre Pokémon. Donc, du coup, pas Kadabra, parce qu'apparemment, il m'écoute plus. Mais du coup, peut-être un autre Pokémon. Hein. Un Primeplouf, hein. Et voilà, parce que lui, il va faire que ça. Lui, il fait que cette attaque. Il fait que Vampipoint. Donc, s'il fait que Vampipoint, ça va pas le faire. Donc, je peux peut-être jouer sur les rappels et sur les potions. Tu vois, par exemple, je peux essayer de réanimer Luxio. Comme ça, là, selon l'attaque qu'il fait, après, j'essaie de soigner. Eh ouais. Ah non, gonflette. Ben voilà. Là, je donne une potion au Machopper. Comme ça, lui, il est au max déjà. Comme ça, lui, il est au max. Et donc, on va faire ça. Faire ça. Super potion sur le Machopper. Voilà, comme ça, Primeplouf, il peut se faire tuer, voilà, enfin il va se faire tuer. Et Machopper il est ok. On va essayer de tous les réanimer comme ça. Tous mes Pokémon. Du coup Luxio, il part au combat. En plus ça fait que baisser l'attaque du coup du Lucario. Donc au final en fait il va se retrouver avec des attaques qui seront très très basses. Donc on utilise un rappel. Après aussi j'ai le fait que j'ai l'œuf. J'ai mon œuf aussi qui me prend du coup de la place. Qui me prend du coup la place d'un sixième Pokémon qui pourrait nous accompagner. Et du coup c'est pas facile non plus. Du coup on a bien vu hein, que Ponyta déjà il s'est fait tuer par le Machopper, donc ça sert à rien de tenter pour là. Ok. Bon là, par contre, tu vois, on utilise une super potion sur le Luxio. Voilà, comme ça, selon ce qu'utilise le Primeplouf, il est mort. Mais, je peux, à ce moment-là, du coup, avec le Luxio, réanimer le Primeplouf et peut-être avoir, du coup, 3 Pokémon en ma possession. Je sais pas si vous comprenez là, l'enchaînement que je fais, moi je me comprends. On va voir si ça marche. Okay. Là tu vois, selon l'attaque qu'il fait, faudrait pas qu'il fasse vibrapoint. Putain, il fait vampipoint. Là sinon j'allais dire c'est bon, là j'ai 3 Pokémon en forme parce que du coup j'ai réussi à faire augmenter du coup le Primeplouf et tu vois là il est à fond. Donc du coup ça aurait été qu'il y ait Luxio aussi, comme ça j'utilise Luxio déjà contre le Lucario. Ensuite j'utilisais le Primeplouf et ensuite j'utilisais Machopper. Mais là du coup je me retrouvais dans le même cercle vicieux. Encore utiliser des rappels pour le Luxio, ensuite super potion, ça. Faudrait pas qu'il fasse Vampipoint. Ouais voilà. Ah putain! Ok, attends. J'ai peut-être un truc là.
Primplouf, il tient. Primplouf tient contre l'attaque Vampipoing. Alors attends. On va m'utiliser une super potion. Ok, il y a peut-être un truc là. Ok, il y a peut-être un truc contre le Lucario. Voilà. Il y a peut-être un truc pour pouvoir mieux l'attaquer. Et du coup, pouvoir mieux le tuer. Ok, parfait. Là, il a utilisé Gonflette. Donc, ça veut dire que là, je vais pouvoir l'attaquer. Je ne sais pas avec quoi, mais je vais pouvoir l'attaquer. Putain, mais en fait, pistolet à eau, ça sert à rien. On va utiliser Bulbul d'eau, mais ça va rien faire, hein. Surtout que c'est lui qui attaque avant, en plus. C'est le Lucario qui attaque avant. Donc bon. Par contre, sa défense, elle a énormément augmenté. Ok, mais normalement, je meurs pas. Voilà. Le problème, c'est qu'il va se récupérer de la vie à chaque fois. Putain, sa vie, elle remonte énormément. Ok. Là, faudrait que j'enchaîne. Ok, soit j'arrive à refaire Buldo, il est mort. Oui, mais non. Mais non. Mais non, j'ai gagné le combat. Mais non, incroyable. Mais moi, j'arrive pas à y croire. Mais moi, j'arrive pas à y croire que j'ai gagné le combat. Mais non. J'ai battu Mélina la championne. Incroyable, je dois reconnaître ma défaite, je ne suis pas de taille à te battre. Incroyable, mais moi j'arrive pas à croire que j'ai battu la championne. Apparemment ça montre qu'il va falloir que j'améliore un maximum mes Pokémon. Parce que là... Ah ouais, non, là je suis mal. Hein. Bon, du coup j'ai gagné le troisième badge du jeu, le badge pavé. Eh ouais, j'ai gagné le badge pavé difficilement, mais je l'ai gagné en tout cas. Donc du coup pour ça je suis content. Et ce n'est pas tout, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Vous recevez les sauts utilisés par Mélina. Vous obtenez des CT60. Eh ben purée. C'était pas facile, c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai réussi à la battre. Pardon. Ok. Donc du coup, les fans, on va se laisser ici pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Les fans, si vous avez aimé, eh bien abonnez-vous, lâchez un commentaire, lâchez un j'aime, activez la cloche. Et moi les fans, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.